Saint-Louis des Français, Saint-Yves des Bretons, Saint-Claude et Saint-André des Franc-Comtois de Bourgogne, Saint-Nicolas des Lorrains, la Trinité des Monts. Cinq églises, des ensembles architecturaux, mémoire séculaire de la France à Rome. Une histoire exceptionnelle d'échanges culturels et spirituels qui dure depuis des siècles. Celle des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Chaque édifice est un musée vivant, habité, et qui témoigne de cette création romaine et la façon dont la France a regardé cette grande aventure artistique et culturelle. L'église de Saint-Louis des Français, consacrée en 1589, a été construite sur les vestiges de l'antique Santa Maria da Cielis. À quelques pas de la place Navone et du Panthéon, Saint-Louis est une église nationale d'une très grande importance qui accueille une communauté vivante de prêtres. À la valeur sacrée et historique de l'édifice s'ajoute sa valeur artistique. L'église abrite en effet des chefs-d'œuvre d'une valeur inestimable, les trois œuvres du Caravage de la chapelle Contarelli, bien sûr, mais aussi d'autres trésors non moins connus et qui n'en sont pas moins extraordinaires. L'orgue de Saint-Louis des Français est le premier orgue symphonique construit en Italie, en 1880. Il a, on peut dire, un frère jumeau, plus petit, à la Trinité des Monts, construit par le même facteur. Et ces deux instruments ont beaucoup influencé la facture d'orgue romantique italienne. Cet orgue est un peu comme un ordinateur. Il a essayé de rappeler toutes les sonorités de l'orchestre symphonique. Et ça, c'est vraiment l'originalité, on peut dire, de l'orgue symphonique français. Saint-Louis est certainement un orgue très raffiné et ses instruments ont influencé aussi des compositeurs italiens comme Filippo Capocci, qui a inauguré l'orgue de Saint-Louis. L'orgue de Saint-Louis est resté, on peut dire, dans son état d'origine, avec une manutention très importante. C'est d'ailleurs la maison Tamburini de Crema qui l'entretient. C'est un orgue qui n'a pas été réellement restauré. Et c'est l'intérêt de cet orgue. Aujourd'hui, l'orgue de Saint-Louis sert bien sûr énormément pour la liturgie, mais aussi pour la culture, le monde musical culturel. Tous les ans, depuis à peu près 13 ans, on a organisé un festival. Et donc, une volonté d'ouvrir toujours cet orgue à une actualité musicale. Alors que la musique de l'orgue résonne sur les marbres polychromes, les stucs, les statues et les fresques de l'église, on aperçoit dans la deuxième chapelle de la nef droite, sur l'autel, une copie de la Sainte Cécile de Raphaël par Guido Reni. Les fresques latérales du dominicain dépeignent la vie de la sainte. La chapelle Saint-Louis, quant à elle, a été construite au XVIIe siècle par un architecte de renom, Plautil Labrici. Mais c'est probablement la chapelle Contarelli qui conserve les œuvres d'art les plus célèbres de l'église de Saint-Louis des Français. C'est en effet dans cette chapelle que sont exposées les premières œuvres publiques de Michelangelo Merisi, dit le Caravage. Consacré à l'évangéliste Matthieu, saint patron du commanditaire de ses œuvres, le cardinal Mathieu Cointerel, elle devait être achevée au début de l'année sainte 1600.
Le raffinement avec lequel le Caravage a peint ses œuvres, la lumière qui les imprègne, le réalisme avec lequel il traite le thème sont, encore aujourd'hui, d'une modernité bouleversante. La vocation de Saint Matthieu, Saint Matthieu écrivant son évangile, et le martyr de Saint Matthieu sont autant d'œuvres qui embellissent l'église de Saint-Louis des Français. L'édifice est attenant au palais de Saint-Louis, siège des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. L'institution, placée sous la tutelle de l'ambassade de France auprès le Saint-Siège, est chargée, depuis plus de deux siècles, de préserver le patrimoine artistique et culturel des cinq églises françaises de Rome et de favoriser leur vie communautaire. Elle conserve depuis l'origine sa vocation caritative et d'accueil des pèlerins. Et puis il y a cette aventure exceptionnelle, cette volonté de restaurer, conserver, transmettre cette convention qui existe avec le ministère de la Culture, avec les pieux établissements, pour restaurer jour après jour, conserver chacun de ces édifices. Et là aussi, c'est une aventure, une rencontre franco-italienne, un architecte en chef des monuments historiques français, et je rends hommage à mes prédécesseurs qui ont conduit ce projet, depuis Jean-Claude Rochette, Didier Replin, et puis des restaurateurs italiens. Et donc, un savoir-faire exceptionnel, des restaurateurs d'architecture, de sculpture, de stuc, de décor peint, et un dialogue intense entre le service des monuments historiques français et l'exceptionnelle administration de la surintendance de la ville de Rome et du ministère de la Culture italien. Et donc, que représentent pour nous ces églises? Voilà, c'est cette rencontre qui dure depuis le XVe siècle, avec la création des pieux établissements, entre la France et Rome, entre la France et l'Italie. Et chaque chantier redonne vie à cette grande collaboration. Les églises françaises de Rome sont des lieux où les fidèles apprécient de se retrouver régulièrement et où religieux et laïcs dialoguent quotidiennement. Elles jouent aussi un rôle diplomatique. Ainsi, pour les célébrations du centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 2021, le cardinal secrétaire d'État préside la messe de la Pentecôte à Saint-Louis. Chaque année, le 19 mai, le reliquaire de Saint-Yves des Bretons fait l'objet d'une procession qui part de l'église qui lui est dédiée pour se rendre à Saint-Louis des Français. Fidèles et religieux en cortège accompagnent le saint patron de la Bretagne, des avocats et des juristes, de leurs chants et prières. Proclamé saint en 1347, Yves Ellery de Kermartin était lui-même un avocat et s'était distingué par son souci des pauvres qu'il défendait gratuitement, fondant ainsi l'institution de l'assistance judiciaire. L'église consacrée à Saint-Yves des Bretons, dans le quartier du Champ de Mars, a été érigée sur les ruines de l'église de San Andrea de Mortarii, ou de Marmorariis, par la bulle papale de Calixte III en 1455. Elle témoigne de l'enracinement ancien et profond de la présence bretonne à Rome. Mais les Bretons ne sont pas les seuls à avoir trouvé racine dans la capitale italienne.
L'église de Saint-Nicolas des Lorrains, confiée aux frères de Saint-Jean, se trouve dans une de ces petites allées dont Rome a le secret, le Largo Febo. La confrérie des Lorrains, fondée en 1508, projette son église en 1622, suite à la démolition de l'église de San Nicola in Agone. Les restaurations récentes permettent d'admirer dans toute sa splendeur ce petit bijou baroque dédié à Saint Nicolas. Notre rôle est d'accueillir les pèlerins qui viennent à Rome. Pas seulement les Lorrains, mais aussi d'autres groupes qui peuvent être heureux de venir célébrer la messe ici. Une autre raison de venir à l'église Saint-Nicolas, c'est bien sûr pour vénérer Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui a été évêque de Myre, qui a vécu... Myre, c'est au sud de la Turquie. C'est la fin du 3e siècle et début du 4e siècle. Il a été évêque de l'an 300 à l'an 335. Et il est extrêmement vénéré dans la chrétienté. Chez les Latins, en particulier les Lorrains, mais aussi les pays proches de la Lorraine, et puis chez les orthodoxes byzantins, qui vénèrent énormément Saint-Nicolas. Très souvent, dans leurs iconostases, on trouve l'icône de Saint-Nicolas. Donc bien des motifs de venir prier Saint-Nicolas, et c'est bien de venir ici à l'église Saint-Nicolas à Rome pour venir confier toutes nos intentions à ce grand intercesseur qui a une si grande importance dans la vie de l'Église. Au XVIIIe siècle, la décoration intérieure de Saint-Nicolas est intégralement repensée pour l'enrichir. Corrado Giaquinto, grand peintre italien de l'époque, est chargé de la réalisation des fresques. Encadrées de marbre polychrome, celles-ci ainsi que les stucs qui les accompagnent mettent en valeur les épisodes miraculeux les plus célèbres de la vie du saint éponyme. Près de la fontaine de Trévi se dresse l'église de Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne. Si jusqu'en 1600 les Bourguignons se limitaient à un petit cercle de banquiers, de commerçants et d'artistes, entre 1632 et 1642, près de 12 000 personnes viennent à Rome depuis la Bourgogne, fuyant les ravages de la guerre de 30 ans. C'est ce qui donne naissance, en 1650, à une confrérie dédiée aux deux saints patrons de la Bourgogne. Elle se réunit d'abord dans un oratoire près de la place Saint-Sylvestre, où la première pierre de l'église est posée en 1728. Le chantier, qui devrait démarrer d'ici quelques mois, est programmé sur plusieurs années, de façon à ce que les échafaudages dérangent le moins possible et de façon à ce que l'église reste ouverte au culte pendant un maximum de temps. La restauration intéressera tous les décors intérieurs avec la restauration des stucs, des marbres, la restauration des fresques et également la restructuration de tous les réseaux techniques, donc l'éclairage et la mise en valeur des décors. L'église, agencée en croix grecque, est surmontée d'une coupole hémisphérique. Au centre de Rome, Saint-Claude perpétue sa vocation d'adoration du Saint-Sacrement, cœur de la spiritualité de la congrégation du même nom, à laquelle l'Église est confiée depuis la fin du XIXe siècle. Pèlerins et visiteurs se pressent aussi en foule sur les marches d'une autre des plus célèbres églises de Rome, la Trinité des Monts,
au sommet du fameux escalier de la place d'Espagne. $347, c'est ce qu'aurait payé le roi de France Charles VIII en 1494 pour acheter une partie du terrain sur lequel se trouvait la légendaire villa romaine de Lucullus. Ce qui est certain, c'est que l'église a été destinée dès l'origine à l'ordre religieux français des Minimes, en reconnaissance de l'aide apportée par son fondateur, saint François de Paule, à Louis XI, père de Charles VIII. L'église, dont la construction aurait débuté autour de 1502, est un monument d'une grande importance artistique et religieuse, mais aussi urbanistique, qui a contribué à modifier le cœur de Rome, dont elle est désormais une des silhouettes les plus reconnaissables. Mais la Trinité des Monts n'est pas seulement une église. Véritable complexe architectural vivant, marqué par des siècles d'histoire, le site regroupe deux bâtiments, reliés par un cloître richement orné, confié à la responsabilité de la communauté de l'Emmanuel depuis 2016. L'édifice sacré, à une seule nef, est de style gothique français tardif, comme le montre la voûte croisée du transept. En dépit des modifications successives, la Trinité des Monts en demeure l'un des rares exemples à Rome. Les six chapelles latérales sont remarquables pour leur décoration. Des chefs-d'œuvre du maniérisme pour lesquels on peut citer les noms de maîtres tels que Zuccari, Del Vaga et Volterra. La Trinité des Monts a évolué au rythme de la communauté des Minimes. Celle-ci a eu un rôle essentiel dans l'approfondissement de la relation entre foi et raison. Deux anamorphoses peintes, datant toutes deux de la première moitié du XVIIe siècle, en sont une preuve admirable. L'une qui représente saint François de Paule et a été réalisée par Emmanuel Ménian, l'autre de Jean-François Nisseron, dépeint saint Jean sur le point d'écrire l'Apocalypse. Au détour d'un autre couloir, on découvre un cadran solaire à réflexion, peint sur une voûte, également de la main de Ménian. S'y enchevêtre une myriade de tracés colorés, où entre annotations, graduations et signes du zodiaque, l'œil érudit peut déchiffrer les correspondances des heures du monde. Mais ces œuvres, aussi admirables soient-elles, ne sont pas les réalisations les plus importantes des Minimes à la Trinité des Monts. La grande bibliothèque dite « volante », construite en lieu et place d'une coupole plus conventionnelle, est unique au monde. Cette solution architecturale innovante se double d'une grande force symbolique en matérialisant, au-dessus du cœur de l'Église, l'union de la foi et de la raison, un des thèmes de prédilection des Minimes au cours des siècles. La science et la connaissance, entendues dans leur sens le plus large et le plus noble, sont portées au pinacle, offrant une vision panoramique sur le monde en contrebas. Les Minimes inscrivent ainsi dans l'architecture la double recherche qui est celle de leur vie, la connaissance de Dieu et du monde. L'ambassade de France auprès du Saint-Siège et les plus établissements de la France à Rome et à Lorette gère ce patrimoine monumental avec l'assistance du service technique de l'ambassade de France pour gérer les travaux de restauration monumentale de ce patrimoine. Cet espace est un lieu unique car il a été décoré en 1693 par un plafond plat entièrement réalisé en bois et entièrement suspendu
à la charpente de la toiture de la bibliothèque. Le plafond représente la gloire de Saint-François de Paule. Nous avons commencé tout d'abord par un échantillon de 4 mètres carrés parce que le plafond, en fait, avait été. La toiture de la bibliothèque avait été entièrement démontée pendant la Révolution française et le plafond avait été entièrement inondé. Donc, l'œuvre était totalement tachée. Et la première campagne de restauration a duré 10 ans. Le résultat obtenu après toutes ces années de restauration est très satisfaisant. Je pense que c'est le chantier le plus spectaculaire que j'ai eu à suivre. Au XIXe siècle, c'est un nouveau chapitre de l'histoire qui s'ouvre pour le couvent, avec l'arrivée des Dames du Sacré-Cœur, qui donnent au complexe architectural une vocation éducative inédite, en fondant une école, l'Institut du Sacré-Cœur. Une des jeunes sœurs, Pauline Perdreau, a également contribué à la beauté du site en réalisant en 1844 une fresque de Madone miraculeuse dans un couloir devenu depuis la chapelle Mater Admirabilis. Au cours des dernières décennies, d'importants travaux ont permis, grâce au soutien des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette et du ministère français de la Culture, la restauration de ces églises françaises de Rome pour leur permettre de perpétuer leur vocation d'accueil des pèlerins, de solidarité et d'ouverture au prochain. Fortes de leur histoire séculaire, elles s'appuient sur la richesse de leur patrimoine culturel et spirituel pour mieux se projeter dans le XXIe siècle et relever des défis sans cesse renouvelés.